Je vous remercie d'abord, je remercie Dieu qui nous a fait les musulmans et nous avons fait le mois de carême en bonne santé, avec la paix, avec les bénédictions de l'ami et les amis et parents et les sages. Et on remercie Dieu qui nous a donné les jours. On remercie les enfants, les jeunesses, les femmes, les sages de Bambeto ici qui ont entendu les paix qui nous ont été et dit, parce que tout le monde, nous sommes réunis ici, on a conquis de faire la paix à Bambeto ici. Vraiment, tout le monde voit qu'il y a la paix ici maintenant, on remercie Dieu sur ça. On demande les jeunes et les enfants, les femmes de continuer de la même chemin pour qu'il y ait la paix à Guinée. On sait quand il y a la paix à Bambeto ici, il y aura la paix à toute la République de Guinée. On remercie les imams et les sages. Ils sont levés avec les femmes, tout le monde s'est donné la main dans tout, pendant le mois de Ramadan pour faire le sacrifice, pour faire les bénédictions pour le pays, les femmes, les jeunes, les musulmans, tout entier de la Guinée, de la religion confondue. Nous, si vous remarquez à Bambeto ici, il y avait la violence ici avant, mais il y a cela 3 mois comme ça, il n'y aura pas de violence à Bambeto parce que toute la jeunesse, toutes les femmes, toutes les sages, plus les imams, ils se sont donné la main, ils ont parlé la même voix, la même langue, ils ont suivi la même objectif pour qu'il y ait la paix à Bambeto. On a dit tout ce qui veut venir à Bambeto, que ça dit que tout, il vient, c'est lui, ceux qui viennent pour travailler ici, ceux qui viennent pour faire qui que ce soit ici, pour qu'il y ait la paix, il y a l'entente, que ça dit que tout ici. Il est celui. Celui qui vient pour faire le mal ici, il ne vient pas ici. Celui qui fait le mal ici, il ne fait pas le mal ici. Il y aura pris des casses à Bambeto, il y aura pris des brûlures de pneus à Bambeto, il y aura pris des pagailles à Bambeto. Celui qui fait le pagaille ici, on va les prendre, on va les donner à l'autorité. On sait, il y avait beaucoup de jeunes qui quittaient ailleurs, je ne vais pas citer le nom, qui venaient à Bambeto ici pour faire le pagaille. Maintenant, on a réuni les gens, on a recensé 700 jeunes ici. 700 jeunes de Bambeto, ils sont là à partir de l'instant. Toute personne, tous ceux qui habitent de quitter ailleurs et venir faire le pagaille ici, on lui demande de rester là-bas, de ne plus venir ici. Toute personne qu'on prend ici, on va le donner à la sécurité, il va aller à la prison, quiconque. On demande tout le monde de venir pour travailler, pour faire de bonnes choses, pour qu'il y ait l'entente, qu'il y ait la paix. On demande toute la Guinée d'être unie, de suivre de la même chemin pour qu'il y ait la paix. Quand il y a la paix en Guinée, la paix n'a pas de prix. La paix, c'est pour tout le monde. On vous remercie aussi, vous les journalistes aussi, on vous demande de s'impliquer pour qu'il y ait la paix. Parce que c'est vous le quatrième pouvoir. Vous êtes le quatrième pouvoir, les journalistes. C'est vous aussi, on vous demande de s'impliquer pour qu'il y ait la paix. Si vous aussi vous êtes impliqué, il y aura la paix, il y aura l'entente. Il y aura la quiétude. Quand il y a l'entente, il y a la quiétude. Il y aura le bonheur. Le bonheur, c'est pour tout le monde. Vraiment, on vous remercie. On remercie tous ceux qui sont eu le temps de se déplacer pour venir prier à Bambeto. On remercie tout le monde. On salue toute la Guinée, toutes les familles. La Guinée est une famille. La Guinée est une famille. La Guinée est une famille.